Monsieur? Oui? Ce petit animal à quatre bouches, c'est à vous? À moi? Oui. Si je comprends bien, il est en train de me grignoter les doigts de pied, n'est-ce pas? Oui. Il a toujours faim, c'est vrai. Je n'ai jamais vu pareille créature. Je crois que c'est le dernier de son espèce. Étrange. Il me mord les mollets. Et je ne sens absolument rien. Il est comme ça. Toujours très gentil, quoi qu'il fasse. Mais que mange-t-il d'habitude? De la viande, monsieur. Exclusivement de la viande fraîche. Et vous croyez qu'il me dévorera en entier? Oui, monsieur. Quand il commence à boulotter quelqu'un, personne ne peut plus l'arrêter. J'espère que vous ne le promenez pas souvent. Non. Nous sortons une ou deux fois par an. Alors, j'ai eu une très mauvaise idée de passer par là. Vous êtes insomniaque? Je ne peux jamais m'endormir avant 4 heures du matin. C'est une séquelle de la guerre. J'étais médecin militaire. Ah bon? Moi, j'ai travaillé pour le département des fournitures sanitaires. Mon nom est Kunz, docteur Kunz. Enchanté. Moi, je m'appelle Bartolomeo. Mais comment peut-il engloutir un homme en lui procurant tout ce plaisir? C'est son truc à lui. Il commence par les extrémités. Ceci dit, il avance très vite. C'est parce que vous êtes assez calme. Il y en a qui font du tapage et ils n'aiment pas ça. Hein? Combien j'ai encore à vivre? 5 minutes environ. J'ai un paquet de cigarettes dans ma poche. Voulez-vous m'en allumer une? Volontiers. Merci. Autre chose? Un mot à votre femme? Non. Je suis absolument seul. C'est dur. La solitude. Moi aussi. La solitude m'angoisse. Oui, mais vous avez votre petit animal. Je ne vous dis pas comme il est difficile à nourrir. Il arrive à mon sexe. J'ai tout essayé avec lui. J'ai voulu le rendre végétarien. Oh, comme je me sens léger. Il arrive à mon cœur. J'ai voulu lui apprendre à boire de l'eau. Pouvez-vous vous imaginer que cette créature ne s'approche jamais de l'eau? Il arrive à mon cou. En effet, si vous le regardez bien, vous verrez même qu'il vit sans respirer. Il me regarde maintenant droit dans les yeux. Vous croyez qu'il s'apprête à m'arracher la langue? Oui. Mais
Il n'oubliera jamais vos paroles.